Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Minecraft pour la suite de notre aventure hardcore. Hardcore à volonté, saison 3. Voilà, ça fait un petit moment que j'avais pu retourner. Donc là, je pense que vous aurez cet épisode de 3 jours après. Enfin bref, on se retrouve dans notre petit monde. On avait pas mal avancé, on avait réussi à avoir un gui et pas mal de stuff. Le soleil va bientôt se coucher. On avait trouvé une plaine aussi, rappelez-vous, hein, la dernière fois. Une belle plaine, on va certainement construire, hein, on va faire notre construction, mais en attendant, je vais me mettre à l'abri et faire mon abri de fortune qui me servira d'entrepôt, si je puis dire, jusqu'à la construction de notre bâtiment, on va dire. Enfin, je sais pas si on se mettra là en attendant la construction, mais là, pour l'instant, on va se mettre là histoire de passer la nuit. Alors, par contre, niveau charbon, on n'est pas... Ouais, bon, si ça va, en fait, 64, 22... Alors, on va se boucher tout ça et on va dormir rapidement avant que voilà, hein, avant que ces petits monstres viennent nous faire chier. Donc là, pour l'instant, on va se poser. Hop. Allez, voilà. Parfait, parfait. Donc, avant de tourner, là, j'étais avec Alex et on s'est dit, bah, ça serait bien qu'on commence vraiment à re-retourner un petit peu parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné Alex et moi, chez eux, vous l'avez vu d'ailleurs, étant donné qu'il n'y a pas eu d'épisode de CDD depuis très longtemps. Donc on va recommencer à tourner un peu, on va étudier la question et tout. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour poursuivre notre aventure hardcore. Donc je vais commencer immédiatement. Pourquoi j'ai crafté ça? Ah oui, pour me faire un coffre. Hop. Pourquoi j'en ai fait 3, je ne sais pas. On va se faire un petit double coffre. C'est vraiment juste histoire de d'avoir hop, voilà, un petit truc pour s'abriter. Et puis on va s'installer ici en attendant de trouver l'endroit où construire notre bâtiment. Mais donc voilà, cette plaine c'est pas mal. Moi j'aime bien ici, hein, je trouve ça sympa. Mais peut-être que je ferai plusieurs bâtiments, hein, je sais pas. Il y aura une serre, enfin il y aura tout ce qu'il faut. Voilà, ça c'est sûr. En tout cas, on se pose. Par contre là du coup c'est qu'on voit pas trop ici, mais bon. Je vais recouvrir un peu de bois et tout, on va faire ça. Merde. Qu'est-ce que je veux faire? Tout mettre dans le coffre. Donc pour l'instant on va mettre tout ça en vrac, hein. Après il y aura évidemment une salle des coffres et tout le bordel. Voilà, on va juste garder que l'essentiel, c'est-à-dire qu'on va se refaire quelques torches. Il faut du bois pour ça, hein. C'est toujours ça marche mieux en général s'il y a du bois. Hop. Et torche. Alors, strict minimum, c'est-à-dire que moi j'aime bien avoir la pioche ici, la pioche en bois elle servira de comburant, de combustible, pardon. L'épée ici elle est très bien, le gravier on s'en branle. Hop, les torches comme ça. Je vais tout de suite me crafter une pelle, ça fait 3 ans que qu'il m'en faut. Et j'en ai pas, merde. Donc comme ça j'en aurai une. Le fer j'en ai combien? 13, c'est pas assez. Ah, oh, bien là, tiens, c'est parfait. J'ai un four ou pas? Oui, j'ai un four. Allez. Le four par contre on va le mettre dans le mur juste histoire que je vois son avancée. Et donc là-dedans du coup bah, je vais utiliser ça et un petit peu de charbon. Histoire de faire cuire ça. Non. C'est où? C'est là. Et puis il y aura aussi la bouffe à faire cuire. Oh putain, mais la bouffe par contre là on est tranquille, hein. Ça c'est sûr. On va tout faire cuire. Voilà. Et donc ensuite bah, on va recouvrir un peu tout ça de bois. Juste... histoire que qu'on le voit un petit peu en fait simplement. Alors déjà on va commencer par en récolter davantage parce que j'en ai pas des masses. Et donc si on veut se faire notre construction ça sera essentiel même si ça sera pas fait qu'à partir de bois. Allez, on récolte ça et puis aussi je récupère les pousses hein, évidemment pour pouvoir replanter. C'est important. Bon, je sais pas si j'automatiserai tout, je sais pas si je ferai vraiment tout, par exemple des fermes à bois automatiques ou... Bon, la sac des coffres, je vais essayer de l'automatiser un minimum, mais je sais pas si je vais y arriver. Étant donné que moi, les hoppers, j'ai jamais vraiment pratiqué en fait. Donc voilà, donc je sais vraiment pas si je vais tout automatiser, je ferai ça à ma manière. Donc là, j'ai commencé un arbre mutant, par contre, je sais pas si c'est une bonne idée. Et ces fameux arbres mutants. Bon, écoutez, on va voir ça. Au moins ça me fera de la réserve de wood. Allez.
Hop. On a quelques jours. Oui, pardon. Non, j'ai rien dit. Alors. Je pourrais faire un. Hop. Alors, où est-ce qu'il y en a d'autres ici? Ça commence à part vite les agents Pierre en fait quand on y pense. Y a putain d'arbres évidemment, il y a déjà des pousses et c'est bon, on les récupérera juste après. Hop. Pas mal de pousses. Bon, écoutez, je crois que c'est pas mal. Ouais, c'est bon, je crois qu'on a fait le tour. Hop, parfait. Ça nous fait déjà une petite réserve de bois relativement convenable. Et une pomme en plus, c'est pas mal. 43 de bois sur un seul arbre, c'est déjà bon. Et j'ai oublié de couper Skype. Hop, je vais me mettre juste. Oh, putain. Hop, voilà, je vais me mettre juste comme ça. Hop, voilà, c'est bon. Alors. Regarde, écoutez, on récolte un peu de bois pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire. Et je vais le replanter d'ailleurs, tiens. Je vais le replanter, comme ça m'évitera d'aller tout détruire. Même si de toute façon je vais devoir détruire quelques trucs afin de. Bah peut-être éventuellement de faire un peu de place. Alors, mon habitat. Mon trou là. Il est là, je vais le recouvrir de bois juste histoire que je le vois un petit peu. Donc ce qu'on va faire. Et puis ensuite bah, on commencera à nous établir. Je commencerai à m'établir un peu, j'essaierai de trouver une caverne. Enfin je vais voir un truc un peu. On ira miner un peu. Alors, j'ai tout transformé mais on s'en fout. On en retrouvera hein, du bois. J'en profite pour mettre notre bouffe à cuire. Ça va pas suffire. Hop, voilà. Merde. On va juste, histoire que ça se voit un peu. Et puis pour que je puisse agrandir un peu, hein, parce que ça va être un peu ma maison en attendant, quoi. Hop. Juste histoire d'avoir un peu de place pour s'organiser, pour ranger. Les affaires. Hop. Ouais, bon, ça fait déjà un peu plus de place. On peut grandir ici. Donc là, on va partir sur une mine un petit peu. Et puis je vais essayer d'aller trouver une caverne. Voilà, et puis évidemment, je vais fermer ça. Bon écoute c'est pas trop trop mal, c'est vraiment l'abri de fortune, mais c'est pas grave, hein, ça sera solide. Je vais me faire une petite porte, hein. Donc on a du bois maintenant. Quitte à avoir du bois, autant s'en servir, voilà. On a un petit peu de lumière. On va même pouvoir mettre plusieurs coffres. Oui, c'est pas bon ça. Donc là vous voyez, on a vraiment de la place pour s'organiser et tout. Alors, tout le bois, je vais en prendre un petit peu avec moi. Qu'est-ce que je pourrais me faire? Peut-être me refaire une nouvelle épée, hein. Voilà. Et allez, on va partir un peu en exploration. Hop. On va essayer de nous choper une caverne. Alors d'ailleurs, je vais en profiter pour sauvegarder les coordonnées. Hop. Voilà. Alors, c'est parti. Il me semblait avoir vu des cavernes hein, déjà. Mais par contre où ça c'est la question. Donc là pour l'instant l'épisode est pas très très passionnant mais là parce que j'étais en train de m'établir un petit peu là sur ma nouvelle zone. Là on va se contenter d'aller trouver une caverne histoire de. Simplement. Par contre faudra juste retrouver l'entrée. Mais bon ça
Je vais essayer d'appliquer la technique de la torche du même côté, hein. Ça va pas être du gâteau, mais on va essayer. Les cochons et tout ça, je vais les garder. Je vais les garder juste pour éventuellement pour plus tard. Alors là, on a un petit truc. Comment on va s'y prendre? On va se faire un petit escalier, hein. J'ai une arme. Le soleil, on est où? On devra à tout prix éviter les squelettes et tout le bordel. Ça va être pète-couille. Y a du charbon? Non, j'en ai pas pris. Bon, écoute, on va prendre celui-là. Bon, c'est pas grave. Hop, un peu de cobble. Hop. Bon bah écoutez, on attaque un petit peu de minage. Oh, ce bruit là, ça veut dire qu'il y a une caverne pas trop loin. La preuve, on est dedans. Et ça veut dire qu'il y a un gros truc pas loin. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Mais là, je pense que ça va être un beau labyrinthe. Alors, comment on va s'y prendre seulement? Déjà, faut pas que je tombe. Là, ça va être un peu l'escalier de l'escalier hardcore, hein. Parce que là, vous voyez, j'aurais été en normal, j'aurais sauté direct. J'aurais, est-ce que ça se dit? Bon bref, je serais déjà en bas, hein, je serais sauté. Oh putain, j'aurais sauté, pardon. Mais bon, je sais plus comment on dit. Oui, je vais pardonner mon niveau en français. Mais là, comme on est hardcore, j'ai pas trop envie de me risquer. Ah, j'ai raté le fer. Bon bah, je vais aller le prendre. C'est pas une bonne idée de rater du fer. Hop, c'est bon. Le réflexe qui peut sauver, c'est le sneak. J'ai une armure, mais l'armure est pas très efficace. Faut à tout prix éviter qu'il y ait du spawn. En fait, je crois que c'est qu'un petit trou. Putain, un bloc de fer. Et je vais penser à prendre deux pioches. Fuck. Tant pis. Alors, attendez. Hop. On descend. On gratte un peu. Ah merde, par contre, là, je vais me retrouver baisé. Oh, j'entends de l'eau. Je vais me faire une craft box. Et je vais me refaire une pioche parce que... Tant pis. Une petite pioche en pierre parce que... Voilà, un beau jour elle va péter. Dans pas longtemps. Et il faut que j'aille choper ma cobble. Et je vais me retrouver, si je fais ça, je vais me retrouver avec un stock absolument monstrueux d'ateliers. Ce que je n'ai pas envie parce que les ateliers, c'est... Au bout d'un moment, on n'en a plus besoin. Voilà. Alors, on va éclairer un peu tout ça. On va creuser un peu par là, hein, j'entends de l'eau. Mais en attendant... Il n'y a pas l'air d'avoir de mobs. Ah, si. Ouais, du fer. Alors, faut pas que je me perde. Et au pire, je ferai la technique de la tour en cobble à se faire une remontée. Voilà, l'eau, je m'en tape là, pour l'instant. Voilà, on est arrivé au bout. C'est parfait. Bon, écoutez, c'est qu'une petite faille. Mais bon, ça peut suffire. Et d'où ils sortent? Ah non, par contre, j'ai pas envie de me faire envahir. Là, par contre, si je me fais envahir, c'est pas drôle.
Bon, au pire, j'ai toujours de quoi me mettre à l'abri. Par contre, j'ai pas de quoi dormir. Ok, en haut, c'est assez noir. Là, elle va péter. Voilà. J'anticipe, hein, maintenant. Voilà. Je vais garder ça éclairé, hein, écoutez, parce que si jamais je suis amené à y revenir. De toute façon, j'ai de quoi faire pas mal de torches, donc là-dessus, je suis tranquille. Là, pour l'instant, c'est un peu l'épisode. Hein. Ça va être les épisodes minage, hein, parce qu'il va falloir absolument que je trouve des ressources. Ah, puis il y en a un qui est tombé. Ah oui, puis ça continue en bas, d'accord. Bon, et bah écoutez, on va profiter de la nuit pour y aller. Là, je prends du chacha, du shagbomb. Et on va appliquer la technique des torches à droite. Donc moi je les mets à droite en général. Déjà en minant, quand je fais des fois du minage optimisé, je les mets à droite les torches. Donc là écoutez, bah, je vous propose qu'on fasse la même chose. S'il y a un creeper qui arrive, je suis mort. Hein. Parce que l'armure en cuir, ça suffit pas. Alors je peux toujours parer le coup avec l'épée. Mais bon, ça va quand même pas faire de miracle à mon avis. J'ai cru voir un Enderman, peut-être que c'est moi. Oh putain, mais les escaliers de la mort, là ça va être chaud pour remonter. Mais on s'en fout, on est là pour le défi. C'est juste, tout ce que je veux, c'est que la saison dure un tout petit peu plus longtemps que la précédente. Alors, torche à droite, on a dit. Oh putain, et ça y est, ça commence, vous voyez. Et ça commence, vous voyez, c'est déjà du labyrinthe de partout. Ok, cul-de-sac. J'explore un max. Pas oublier que je viens d'ici. De la lave. Bon. Eh bien écoutez, c'est pas trop trop mal. En plus ça me fait gagner de l'expérience, c'est cool. Plus tard quand je pourrai enchanter ça va être bien. Et puis ensuite là bah, sur la fin de l'épisode on ira je pense miner un petit peu comme ça à l'aveugle histoire de trouver du diamant. Parce que là les cavernes moi j'aime pas trop ça surtout en hardcore. C'est bien pour les premières ressources là. Et après on a beaucoup de charbon. Mais bon une fois qu'on est établi après on pourra les miner à l'aveuglette. Ça posera pas de problème. Ça va être un peu chiant pour vous hein, ça j'en conviens. Mais bon. J'ai pas trop envie de crever en fait. Je suis parano, hein, vous allez me le dire. Je suis extrêmement parano, mais... Voilà. Alors, je vais vite me refaire des torches. Hop. Me refaire quelques petites torches avec en plus pas mal de charbon que je viens d'avoir. Ça fait déjà une bonne quinzaine de minutes, hein, je pense qu'on y est, parce que j'ai lancé le chrono avec au moins 4-5 bonnes minutes de retard. Donc là, je pense que ça fait 15 minutes, à peu près, plus ou moins, qu'on est sur l'épisode. Et je pense que 20-25 minutes pour un épisode, c'est pas trop mal, donc on va rester là-dessus. Il y a du fer que j'ai vu là aussi, après. Alors j'ai déjà 26 de fer, ça c'est bien. Parfait. Alors, on va où? On va aller... Oh, j'entends un squelette, ça c'est pas bon. Il fallait que ça arrive, hein.
Moi, je m'en fous, je sais pas où il y a du squelette, hein. Trop dangereux. Squelette, c'est le meuble le plus chiant, vraiment. Voilà, bon bah écoutez. On mine tranquillement. Bon là l'épisode voilà c'est vraiment du minage hein, comme je vous l'ai dit. Et je pense que le quatrième ça va être pareil. Donc si vous voulez pas vous emmerder, bah, passez directement au 5, mais c'est quand même bien de suivre un petit peu l'histoire. Voir une nouveau stuff que je me fabrique et tout. J'avais vu le fer par là où je me. Alors j'ai des visions. Ce qui sera ennuyeux quand même. Attendez, déjà je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de squelette, il n'y en a pas. Ok. Donc il y a de la caverne par ici, ça c'est sûr. Alors là on remonte, c'est des mauvais signes. Il y a de la lave encore. Alors est-ce que ça coule? Ça a pas l'air. Parce que en plus moi j'ai pas de seau d'eau là pour. Pour au cas où. Ok d'accord, c'est bouché. Voilà. Alors, Craftbox. Une petite pioche. Hop, merde. Hop, on va même en faire deux, tiens. Hop. Ça va m'éviter plus de craft et ça me tiendra plus longtemps. Carré, torche à gauche, du fer que je n'ai pas vu. C'est bien ça, on va avoir pas mal de stock de fer, je vais pouvoir me faire une armure plus un peu de stuff. Attention à la lave, hein. Toujours. Ah d'accord, de l'eau. Ici. Et ça m'a l'air bien noir. Et c'est un cul-de-sac. En fait, il n'y a que ça, en fait, dans cette caverne. Bon. J'aimerais bien aller plus profond, mais ce problème c'est qu'il y a le squelette là qui m'emmerde. Bon, je vais essayer de le tuer, mais s'il y a un squelette, ça veut dire qu'il y a d'autres mobs. Enfin, je pense. Et il y a peut-être des donjons aussi. Ça, j'aime pas trop ça. Surtout les donjons de squelette. Donjon de squelette, c'est chiant. Donjon de zombie, c'est chiant aussi parce qu'il te spot à des millions de kilomètres. Il y a toujours une sortie pour qu'il vienne te faire chier. Voilà. Oh, masse charbon, hein. Voilà, donc hardcore à volonté pour l'instant c'est pas trop hardcore, il n'y a pas trop de monstres que ça, y a juste, on a juste vu un squelette. Ce qui est déjà largement suffisant. Donc là, les torches à gauche, prends mon épée. Alors d'où je viens? Ah ça s'en va quand même mine de rien la lave. Ah, attendez, il va falloir éclairer. Et c'est un autre cul-de-sac, et il y a un zombie derrière. Ok. Alors, vous entendez peut-être un petit bruit de fond. C'est juste qu'il y a énormément de vent en ce moment. Surtout là, surtout dans la région centre. Donc vous m'en excuserez. C'est là que c'est juste qu'il y a pas mal de vent. Voilà, on n'est pas sur les côtes, hein, mais il y a du vent. Il y a du vent, il y a du vent.
Ah oui, écoutez. C'est pas trop mal. On va essayer de trouver une autre caverne parce que celle-ci, j'ai pas tellement envie d'aller dedans, si vous voyez ce que je veux dire. Le soleil est là. Donc je remonte, je retourne là-bas, je mets tout en sécurité. Bon, de toute façon, même si je meurs, hein, de toute façon, il n'y aura pas d'échappatoire. Ça sert à rien, mais même pour me vider, vous voyez. Voilà, donc cette caverne, c'est fait. On pourra la reboucher. Enfin, c'est pas entièrement fait, mais j'ai pas tellement envie d'aller là où il y a le squelette. Je vais me faire un petit stuff en ferme. Alors, qu'est-ce que je fais cuire? Bon, je vais faire cuire le fer. Hop, alors, on va mettre de côté ça. La bouffe cuite ici. Ça, le fer. Et je vais commencer à me faire une armure. Merde. Hop, hop. On va faire les deux éléments principaux. Voilà. Et puis dès qu'on aura l'autre fer, on verra pour le reste. Donc armure là, on va garder. Hop. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mettre un peu de charbon en stock. Oui, d'accord. Voilà, on va faire ça. Alors, le fer est en train de cuire. On va aller explorer. Alors, le soleil vient de se lever, j'ai l'impression. Il est où? Il vient pas de se lever du tout. Alors, on va aller explorer un peu, voir s'il n'y a pas d'autres cavernes, mais je vais regarder, il y a plein de trous dans le sol. Je pense qu'il va y en avoir quelques-unes. On peut sprinter, là, étant donné qu'on a pas mal de bouffe. Où sont les cavernes? Ça se trouve, il n'y en a pas. Auquel cas, on ira miner dans notre... Dans notre mine. Enfin, dans notre maison directement. Car les cochons, je les garde, je l'ai dit tout à l'heure. Je vérifie tout, hein, si vraiment, on sait jamais. Voilà. Et ensuite, bah, va falloir commencer à s'imaginer un peu ce qu'on veut faire, hein, pour la construction. Pour ma part, j'ai vraiment une mince idée, hein, quelque chose d'assez grand. Mais il faut vraiment que ça se concrétise parce qu'étant donné que là j'ai pas mal de bois mais j'ai pas vraiment envie de la faire en bois. Donc il va falloir que je trouve du matériau, des matériaux. Enfin on va voir, on va voir. Je ramasse quelques graines, quelques cygnes. Pour faire du blé hein, au cas où. Et aussi pour faire les élevages de cochons et tout le bordel. Voilà, c'est fini, le bruit. Alors, les cavernes, elles sont... Il y a plein de poulets, c'est bon ça. Bah écoutez, sinon, s'il n'y en a vraiment pas, je vais démarrer la mine. Et puis, on la continuera dans l'épisode prochain. Parce que là, ah, il y a une caverne, si. Allez, allons-y. Ouais non, en fait, je sais pas si c'en est une. Et non. Oh, attendez, je vais gratter un peu la terre, c'est pas impossible. Ou même le gravier, c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose derrière. Non, je sais pas s'il y a quelque chose, attendez. Et là, je prends toutes ces ressources. On va y aller. Hop. Du fer. Parfait. Un peu de charbon. Ah, il y en a vraiment beaucoup du charbon là. Ça va me faire un petit stock. Alors ah, attendez, je rapproche. Si je me mets comme ça, faut que je rapproche le micro. Voilà, c'est bon. Faut que je rapproche un peu le micro comme ça. Voilà. Allez.
Genre me faire une pioche en fer, ça part trop vite. Ça. Même pour éliminer si je trouve du diamant et tout ça. De toute façon, il va falloir que j'en trouve. Voilà. Encore du charbon. Bon, je prends le temps de miner. Hein, c'est... Je prends le temps de miner, ça me donne de l'expérience. J'ai pas tant de cobble que ça, je pourrais en récupérer quand je vais aller miner. Parfait. Allez, on se retourne dans la maison et on va gratter un petit peu tout ça. Merde. C'est pratique pour viser la pioche, ça. Alors, il me semble que c'était par là. Hein. Il me semble. Un œuf, toujours utile. Si on veut se faire un petit cake. Il y a de l'argile. Bon, l'argile, c'est pas ce qui manque hein, depuis longtemps déjà. Hop. Allez, on va gratter un petit peu dans la maison. Voilà. Alors, un peu de fer à faire cuire. D'autres à ramasser. Hop. On finit cette armure. C'est quoi? Les casques et les bottes. Parfait. Merde. Bon, écoute, voilà. Donc l'armure, c'est fait. On a une épée, je vais me faire une petite pioche. Même deux, tiens. On peut se permettre. Voilà, et de quoi on pourrait avoir besoin d'autre en fer? Bah, je sais pas. Allez, on range tout ça. Ah, j'avais tout pris, tiens. Bon. Donc, pioche en fer, c'est bon. On va s'organiser un petit peu. La cobble, hop. J'ai de la bouffe, c'est important. Les rotten flèches, on peut la laisser ici. Il n'y a pas deux. Des blocs. Hop, ça va rester ici. Voilà, un petit peu de stock de charbon. Les pousses. Le silex. Torche et bois, oui c'est bon. Eh ben écoutez, on y va. On va miner un petit peu à l'ancienne. Et ça va être pour la fin de l'épisode en espérant que le prochain soit un peu plus passionnant, hein, on va dire, en termes de minage. Qu'on trouve une belle caverne avec pas trop de monstres. Bon, c'est un peu le but hein, de hardcore à volonté. Mais voilà, après trop de monstres tue les monstres, comme on dit. Non, je déconne, on dit pas ça du tout. Mais trop d'action tue l'action. Donc voilà, donc avec un peu de monstres, mais pas trop, en essayant d'éviter trop de squelettes. Et on va se retrouver dans l'épisode prochain. On va continuer à miner cette caverne. Enfin, cette mine un petit peu artificielle. Bon. Allez, j'espère néanmoins que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à vous abonner pour suivre l'intégralité des vidéos de la NEA Corporation et donc des Nicotine 225. Je vous rappelle que c'est moi, hein, si vous ne me connaissez pas. Et donc on se retrouve dans quelques jours pour la suite de cette série. Ou alors pour de nouvelles vidéos sur les jeux vidéo, bien sûr. Allez, salut tout le monde et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.